Bon, bonsoir à tous. Donc là maintenant cette fois-ci, après Open, vous allez voir la différence pour l'insertion, enfin signature duplication sur Word. Donc là, je vais vous partager l'écran. On va partir sur un document vierge. Ben, on va faire pareil. Bon, je vais réduire un petit peu la fenêtre là au cas où. Voilà, là, ça doit être pas mal comme ça. Donc, feuille vierge. Donc, première chose, comme sur Open, les menus sont légèrement différents, mais vous allez voir l'efficacité au niveau de la duplication. Pourtant, je suis sur la même machine. Donc, il y a une petite différence, la facilité à sélectionner et dupliquer. Donc, insertion, tableau. Donc, tableau, vous vous rappelez, on avait mis 5 colonnes, 2 colonnes, 5 lignes. Voilà, ici. Bon, maintenant. On va tout sélectionner. On va mettre les lignes en clic droit. On va aller maintenant dans Propriétés du tableau. Dans l'onglet Lignes, on va cocher Spécifier la hauteur. Et puis là, à la place de 0, on va mettre 2 cm. Donc ça nous donne ça. Je clique à côté du tableau. Je vois mon tableau. Maintenant, il me reste à dessiner ma signature et à la dupliquer. Donc, menu insertion au-dessus. Insertion forme. Les formes ici. Donc, la petite flèche en bas pour ouvrir la boîte de dialogue. Donc, vous voyez, vous constatez qu'il y a beaucoup de formes possibles. Mais celle qui nous intéresse dans le cas présent, c'est celle-ci quand on pointe forme libre dessin à main levée. Voilà. Donc, je clique et j'ai l'outil. Donc, bah, toujours en. Bon, j'ai fait 4 lignes, hein, au lieu de faire 5 lignes, mais ce n'est pas grave. Donc là, je dessine ma signature. Hein, voilà. J'ai l'objet maintenant en clic droit. Donc, le clic droit pour la mettre en noir, on va conserver l'épaisseur du trait. On va pas toucher à l'épaisseur. Je descends sur format de la forme. Ça m'ouvre à droite la boîte de dialogue. Là, dans couleur, je vais prendre noir. Ici, voilà. Et là, je peux prendre directement, quand je viens sur la zone avec mon pointeur souris, j'appuie sur la touche contrôle, je lâche par mon doigt, et là, vous allez voir, c'est rapide, comme ça, instantané. Et voilà. Et maintenant, je pourrais faire ici, enregistrer ou enregistrer sous directement. Voilà.